Faites un double de votre télécommande FAC XT4 868 avec la télécommande YEVO. Avant tout, vérifiez que votre télécommande FAC est bien une télécommande maître. Pour cela, maintenir appuyé une touche de votre télécommande FAC. Si le voyant clignote une fois et s'allume fixe, il s'agit d'une télécommande maître. Si le voyant s'allume fixe directement, il s'agit d'une télécommande esclave. Maintenir appuyé la touche 1 de la télécommande YEVO. Sans la relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2. Relâchez les touches. Le voyant de la télécommande YEVO clignote environ toutes les 2 secondes. Positionnez votre télécommande FAC XT4 868 tête contre tête avec la télécommande YEVO à environ 3 cm de distance. Maintenir appuyé la touche de votre télécommande FAC XT4 868 que vous souhaitez copier. Le voyant de la télécommande YEVO est allumé fixe. Relâchez la touche de votre télécommande FAC XT4. Le voyant de la télécommande YEVO clignote 2 fois de suite. Maintenir appuyé simultanément les touches 1 et 2 de votre télécommande FAC XT4 868. Le voyant de la télécommande FAC XT4 868 clignote. Relâchez les touches 1 et 2 de votre télécommande FAC XT4 868 et maintenir appuyé la touche de votre télécommande FAC XT4 868 que vous souhaitez copier. Le voyant de la télécommande YEVO clignote rapidement. Maintenir appuyé la touche de la télécommande YEVO sur laquelle vous souhaitez enregistrer le code. Le voyant de la télécommande YEVO s'éteint. Relâchez la touche de la télécommande YEVO. La première touche de votre YEVO est programmée. Pour la deuxième touche, maintenir appuyé la touche 1 de la télécommande YEVO. Sans la relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2. Relâchez les touches. Le voyant de la télécommande YEVO clignote environ toutes les 2 secondes. Positionnez votre télécommande FAC XT4 868 tête contre tête avec la télécommande YEVO à environ 3 cm de distance. Maintenir appuyé la touche de votre télécommande FAC XT4 868 que vous souhaitez copier. Le voyant de la télécommande YEVO clignote 2 fois de suite. Maintenir appuyé simultanément les touches 1 et 2 de votre télécommande FAC XT4 868. Le voyant de la télécommande FAC XT4 868 clignote. Relâchez les touches 1 et 2 de votre télécommande FAC XT4 868. Maintenir appuyé la deuxième touche de votre télécommande FAC XT4 868 que vous souhaitez copier. Le voyant de la télécommande YEVO clignote rapidement. Maintenir appuyé la touche de la télécommande YEVO sur laquelle vous souhaitez enregistrer le code. Le voyant de la télécommande YEVO s'éteint. Relâchez la touche de la télécommande YEVO. La deuxième touche de votre télécommande FAC XT4 est programmée.